première question. Toi, qu'est-ce que tu as été en guerre, là? T'as-tu enrôlé par toi-même ou ils t'ont forcé, là? C'est-tu comme la conscription, je Ben, pense? j'ai commencé quand moi j'avais été là avant. J'ai fait un mois dans 41 à Edmundston, d'entraînement. Puis là, après ça, dans quand ça venait, au mois de septembre 42, puis là, ils m'ont rappelé de nouveau. Puis là, j'ai monté dans l'ouest, puis j'étais ici, puis j'étais là. À fin du compte, je rendais l'autre bord. Ouais. Ben, qu'est-ce qui était les raisons qui t'a motivé à aller dans l'armée? Parce qu'ils m'ont demandé pour y aller. Ah, c'est le gouvernement qui t'a demandé. Ouais, ben, quand le gouvernement, quand ils ont passé la loi, là, qui a dit personne ne pouvait s'enclarer, là, c'était quoi s'appelait la Constitution, là, ça. Ouais. Ils avaient tout fait ça pour valeur pour rien. Parce qu'ils ont moqué des gars à Tabassi quand ils ont été rendus là-bas, puis ils ont tout mis de leur tournée, ils n'en avaient pas besoin. Ah ben, ils en avaient pris plus qu'il fallait parce qu'ils Ouais. savaient, ben, ils savaient pas. De toute façon, ils ne savaient pas comment ça allait être. Puis c'était en 41, ça. Hein? En 41, quand j'étais à Edmundston, ben ça, après ça, c'était en 42, moi, c'était en 42. Mais ça a été enrôlé où, toi? Pas du tout. Ah, c'était enrôlé à Fredericton. Y avait-tu du monde qui était avec toi? Ben, je veux dire de tes amis, ça. Ben non, il y avait des gars d'en bas, là, des gars que je les ai pas connus avant, mais je les ai connus cette fois-là. À part ça, ici, moi, j'étais dans mon bout, c'est tout T'étais-tu seul? ouais. C'est ça, y avait-tu tes frères qui étaient Ben, enrôlés? il y en avait deux qui étaient rendus depuis dans 40, qui étaient rendus le bord, Jeanne et Georges. J'aime Georges. OK. C'est les seuls? Hein? C'est les seuls frères qu'on a Non, encore ben, l'armée. ça a aidé à être longtemps après. Pas longtemps après moi, il a été traversé. Puis, deuxième question. Tu as été à Vancouver, toi, dans Ouais. l'Ouest canadien. Ouais. Ben, peux-tu me décrire qu'est-ce que tu avais fait là-bas, comme qui c'était, comment, puis pourquoi, puis quand? Ben, les autres, ont été là pour entraînement, quoi qu'ils appelaient, il y avait deux affaires. Il y avait quoi qu'ils appelaient le Jungle Warfare, puis après ça, il y avait l'autre, là, Mountain Warfare. Ça fait, les autres, comme moi, avec une certaine gang, ont été choisis, les autres, pour quoi qu'ils appelaient Jungle Warfare. Parce que l'autre, l'autre partie, ils ont envoyé, les autres ont été dans les montagnes, Mountain Warfare. Ouais. Puis là, faisait ça. Pour la rôder là-dedans, puis s'entraîner, puis des compas, puis des ci, puis de ça, et tout. On avait un gros compas, puis il fallait prendre telle place, puis de là, il fallait sortir à telle place, puis là, il fallait sortir d'une autre place, puis s'en revenir jusqu'où on avait commencé. Fallait traverser les montagnes. Pas nous autres, là. Nous autres, on était pas dans les montagnes. On était sur le terrain plat, on était dans le bois. Mais les autres qui étaient dans les montagnes, les autres étaient différents, là. Je ne sais pas quelle sorte de business tu faisais, les autres. Mais les autres, on était dans le bois. C'est ça qu'il fallait qu'on traînait dessus. C'était qu'est-ce qu'il fallait faire, vraiment? Ben, avec C'était quoi? on avait le compas, là. On était. Quoi qu'on était? Deux? Oui, deux par gars. Un, deux à la fois. Deux qui dans une place, puis deux à une autre place. Puis de même, puis on va chacun un compas. Là, il disait, là. Ton compas, là, tu vois un tel arbre, là, où tu sais que tu as juste ton compas pour aller là, puis savoir quel degré que ça te prend pour y aller là. Ouais. Après ça, quand ils sont rendus là, ben, si tu voulais t'en revenir, si tu n'es pas, pourquoi tu prendrais, ben, là, il fallait que tu virais de bord, tu prends ton recul. Mais ça, c'était juste du patrouillage. Bon, ouais, c'était toute l'affaire de l'entraînement de l'armée. Ouais, quoi. Il n'y a aucune idée de quoi tu savais pour ça. Ah, ben, c'était pas vraiment des fronts, des missions de front, des Non, trucs non. comme ça. Après ça, c'est faire des débarquements, là, parce qu'ils ont parlé de quelqu'un qui ont rentré dans la France, ils ont pris la France, ils ont débarqué à bord des machines, là, on a débarqué dans l'eau, là. Ouais. Faire des débarquements, puis ça, il y avait une gang qui nous attendait, là, puis nous autres, il fallait débarquer, puis se camoufler tout de suite pour pas être vu par les autres, parce qu'ils nous ont revu, oui, ils nous Ouais. prenaient prisonniers. C'était nous autres, il fallait qu'ils prennent. On a pris une coupe. As-tu pris c'était pas le jour J, hein, le D-Day. Hein? Le jour, c'était pas le jour J, hein, comme le Normandie, hein, Non, non, en non. 1944, je pense. C'était pas le gros front, là, qu'est-ce qu'il y avait, puis la plage, là.
Non. C'était juste l'entraînement qu'on faisait pour quelque chose comme qui s'avait passé là. C'est ça que je voulais qu'on faisait. Après ça, monter dans les machines là, c'est une corde là. C'était coupé, une machine de roche, c'était coupé carré là. C'était à peu près comme 50, oui, 25, 30, 40 pieds comme il faut de haut. C'est une grosse corde là. Puis là, on était en bas avec notre fusil puis notre fac. Il fallait monter sur la corde en haut là. Certainement. Avec les mains et tes pieds, il fallait que tu tenais assis de même. On se trouvait que ça, si tu ne tenais pas toujours le même, tu ne montais pas là. Tes pieds glissaient et tu la fasses arriver après les roches. Ça fait que tu couchais sur le dos de même, tu montais sur le même. OK. Puis ça, c'était dans l'Ouest. Oui. C'était un entraînement de l'armée. Oui. Après ça, quand on était rendu. Il y avait un gros arbre, mais on coupait le pain, il y avait une corde qui montait en haut là. Mais là, il fallait que tu montes avec ta corde dans cet arbre-là. Puis quand tu étais rendu en haut là, tu attachais ta corde d'une certaine manière, il fallait que tu la coupais. Quand tu arrives en bas là, de nouveau, là, tu faisais ça, puis ta corde semblait trouver. Ça descendait. OK, pour ne pas laisser de chance à l'ennemi. Pour ne pas laisser rien qui pourrait paraître. Mais d'une façon, j'avais la chance à toi-même aussi d'en revenir. Il a monté lui là, puis quand tout, certaines places, il nous a montré à quelle place il voulait couper. Puis lui, il s'est trompé, il a coupé ailleurs de lui. Mais moi, c'est plus grand. Il a descendu la corde dans l'œil. Il a descendu dessus. Et c'est ça qu'il a fait le drive. Une chance qu'il a pu. Ça a donné qu'il est arrivé qu'il déboute un peu. Parce qu'il était comme sur le dos, quelque chose. Il avait tellement sortant. Il est tombé mauvais. Ça, c'était pour l'entraînement de l'armée, là, dans l'Ouest canadien. Oui, c'était toute l'affaire de l'armée, ça. Mais y avait-tu des... après ça, je pense, tu étais en Europe. Oui. Dans quelle année, ça? En Europe? Oui. C'était en 43. Puis, où t'as été? Rentré en Angleterre, puis l'Angleterre a été en France, puis la France a été en Belgique, puis la Belgique a traversé en Hollande. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire, là? La flèche. Là, on était dans la vraie armée, la vraie guerre. Mais là, ça, je parle, la vraie guerre. Là, c'était la vraie guerre. Il y a pas de... Mais dans le Hollande, nous autres, on voulait faire attention tout le temps. On voulait soigner pour pas. Parce qu'ils envoyaient des machines, là, et qu'ils s'appelaient des airbursts, là, ça bossait dans l'air, ça descendait. C'est le soir, là, surtout le soir. Ils faisaient ça le soir ou le matin. Bonne heure le matin. Ça fait fouler savoir. On s'est installé une place là, on avait un chaud pas au-dessus des autres, puis on était là-dedans. Fait que comment ça tombait, ça tombait là-dessus, ça ne nous affectait pas. OK. Puis ce qu'il fallait faire là-bas, c'était garder la sécurité, quoi. Faire comme la patrouille. Bon, oui, on faisait de la patrouille, puis on faisait vivre une soirée, là, deux couple de soirées. Moi, j'étais avec, on était sur une patrouille là. Une gang de nous autres, puis moi, ils m'appelaient, ils me plaçaient comme ils appelaient comme le guerrier humain. Les autres étaient tout le temps 50, 100 pieds en avant de moi, tout le temps. Je tenais tout le temps, puis il fallait que je voyais ce que je voyais tout ce que je pouvais voir alentour. Puis s'ils voyaient quelque chose là, qui n'était pas normal, il fallait que j'avance vite, puis dire au le premier que était en arrière, qui irait à lui, puis lui, il passait à l'autre, jusqu'à ce que ça arrive au cavalerie ou le sergent qui était là. Ah, c'était ça? Ah oui. Mais vous poignez des stuff des fois? Ah oui. Des grosses affaires? On a rentré une place, là, on a sorti. On a poigné 75 prisonniers. Des Allemands? Oui. On était avec un. Ils ont dit, on va aller dans cette route-là. Là. Il est supposé quelque chose par là. Parce que deux, trois soirs avant, c'est là qu'on a fait essayer à venir pour prendre. Les tanks qui étaient les grosses tanks, ouais. Mais ils sont fait pincer, ils sont fait poigner. Ils ont tous pris prisonniers, ils sont fait 6 ou 7 les autres. Ouais. Ils sont fait prendre prisonnier. Ça fait, ils ont dit, ils venaient dans cette direction-là. Fait. Le lendemain, ils ont décollé. Puis là, un des grosses tanks qui était avec les autres, là, appartient en avant des autres. Et quand on est arrivé à une place, il y avait quoi s'appelait une machine, un roadblock, c'était des grosses machines de ciment, puis il y avait juste pour passer, puis c'était tout. Là. Ça ne passait pas là, n'importe où. Il y avait juste une place pour passer, puis c'est tout. Parce que, il y a marché de même pour
être capable. Il ne faut pas qu'il chute n'importe quoi. Il faut qu'il passe à 100 vues. Hein. Oui. Ça fait que quand ils ont arrivé, quand ils arrivent à une certaine direction là, de l'homme, puis ben des fois à ces places-là, ils étaient grillés avec ce qu'on appelait des booby traps. OK. Ça fait que si quelque chose fait ça, là, ça explosait, ça fait n'importe qui était autour, c'était final. Ça fait la fin, ils n'ont pas pris chance. Ils ont fait signe d'arrêter, là. L'arrêter. Puis ils ont enlevé ça, maintenant, ils ont tapé ça dans le côté du ciment. Carbone. Il n'y a rien qu'à brûler. Ils ont tiré un autre sur l'autre bord. Il y avait bien. Il n'y avait pas, ils n'avaient pas de machine. Puis quand ils ont vu ça, on a traversé. Puis comme quand on dit traverser ça, là, il y en avait trois. C'était loin une petite bâtisse. Ils ont sorti les mains en l'air. Puis la première chose, les autres ont rentré, ils ont pris des années. Puis les autres ont sorti de là-bas. Ça s'emmenait en direction un, par derrière l'autre, ça s'emmenait. Puis c'était camarade. Ça s'emmenait pour se donner. Bon. On a appuyé sur les gains. Sans les 15 Allemands. Ben, ils ont tellement dit qu'ils ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas de manger non plus. On avait une soirée, moi puis mon chum, on était assis à la garde, là. Ouais. Puis ils ont entendu marcher. Fait que, puis j'ai dit, mon chum, attends-tu? Il dit, oui, ben, il dit, couvre-moi, puis moi, je vais m'installer. Lui, on s'installait jamais égal. OK. On était bien été, hein. Ouais, ouais, parce que c'était égal. Lui a crié. Vous grossez. Puis il a crié, don't shoot, puis ça amenait les mains en l'air, camarades. Puis quand il arrive à nous autres, l'abri, on a rentré en dedans, qui était le sergent. Il dit, j'ai pas seulement un petit couteau chez moi. Il y avait rien pour te défendre. Il y avait son sac, là, avec ça. Puis il a montré, quand il fallait qu'il sortait tout ce qu'il y avait sur lui. Il a sorti son portefeuille qu'il y avait là. Il n'y avait pas vraiment chose dedans, je te dis ça. Mais il y avait des cartes, des portraits de sa femme et ses enfants. Puis il me demandait ouais, si on voulait y laisser ça. Parce que c'était. Il avait dit comment ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Ça fait une très belle secousse. C'était à la gosse? Oui. Ça fait. Là, il a sorti comment. Il a sorti ça le matin. Quand on a mis à déjeuner, il a sorti son sac et son pain pour manger. Ça arrive le temps. Pas croyable. T'aurais pu assommer un vieux avec. La France était dure, puis tranche. Moi, j'ai examiné ça, là. J'ai capuché le coucher, puis ouais, moi, il y avait des brins ici, mais des femmes, mais ça. Ça, du pain. C'est vraiment un bon sens, parce que c'est un pain, de même. C'était quoi la tête? C'est un soldat allemand, ça? Ouais. Moi, je suis de ça de côté. Puis là, on avait du bacon, puis des machines, du griot, bacon, puis. Du pain blanc, moins de moins quand il y avait ça. J'avais dit à face. Ouais. Oh, les grosses lames coulaient. Ouais. Il y avait du pain, là, puis tout ça. Puis on l'a fait en passant dans un autre pour que le couple a donné son lunch. Il dit, Canadian good. Il ne peut pas parler anglais beaucoup. Non, pas beaucoup. Canadian good. Il était plus. Ouais. Il était content, lui. Ben, je pense pas qu'il devait trop les filer, là, les... Ben, lui, il avait deux sorties des autres. Ouais. Puis il nous a dit, d'autres camarades, telle direction, telle place, mais lui, il avait deux sorties des autres. Il s'est mis parce qu'il savait qu'on était, puis il voulait se faire prendre un prisonnier, parce que c'était final. Mm-hmm. Il a pu se faire tuer pour rien, mais là, il était sortant qu'il... Ouais. C'était ça, c'était une affaire, là. Est-ce d'autres choses aussi que... Non, ça, dans le lendemain matin, là, lui, ils l'ont venu chercher. Ils l'ont venu chercher pour l'amener, là, pour le prisonnier, là. Ouais. Puis, moi, je te dis, il était content. Quand il y avait le major arrivé avec le Jeep, le pilote, là, il n'a pas attendu qu'il disait le marqué deux fois. Là, t'en vas, puis c'est qu'on s'en va. Quand il a décollé pour s'en aller avec, là, il l'a fait tirer. Ouais. Là, 9h, 8h, 9h, 10h, quand même. Il y avait un des tanks qui était avec l'autre. On en avait trois, mais il y en avait deux qui étaient installés dans une autre place. Et celle-là, il se connaît tout le temps, je crois, à peu près dans les notions. Et puis on avait des quoi s'appelait des brand carriers, on avait ça. Mm-hmm. Ça fait, ils ont dit, c'est pas utile le marché. Il fallait aller à une telle place, parce qu'il y avait une bâtisse, puis il y avait des choses là, puis ils calculaient qu'il y en avait qui étaient camouflés là.
Ouais, ça peut aller là pour elle. Ça fait embarquer sur la tête. Ils ont dit au marcheur, ça. L'officier dit embarquer. Deux, ils ont embarqué dans le carrière, deux, ils ont embarqué dans la tête. Il n'y a pas même mot d'affaire, madame. Il y a quelqu'un qui a snipé sur la tête. Voici, Oui. il y a pas l'officier qui était sur la tête. Pas La du main, tout. ouais. Un sniper, c'était caché. Puis quand ils ont pu voir, là, il était dans le caché d'une église qu'il y avait là-haut. Ouais, parce... Puis ils ont levé ça, madame Latin, elle avait une machine qui était là, je parlais. Ils ont tapé ça dans le sniper, il était plus là. Ah Ouais. ouais, qu'est-ce que ça fait cela, là? Ça avait une... des bouts de carbone en l'air, là. pense qu'il y a beaucoup de snipers qui se passent dans les têtes de même. Ben, s'ils pouvaient m'estropier un ou deux, on va dire qu'ils te faisaient estropier, mais ça en prenait deux pour le changer de place. Ça fait, si tu étais à huit, tu étais à trois, il en restait bien trois à cinq. Puis là, ça coupait. Il ne disait pas de tuer une personne. L'estropier. Tirer pour l'estropier, ça fait que ça prenait deux autres pour l'avoir. Ça n'en hôtel. Oh, ben, c'était pas une vie de fun. Ça doit pas. Non, non. Les parents squats étaient cachés dans un trou, d'autres squats étaient sortis cachés en quelque part d'autre. Des fois, ils se faisaient courir en maudit. Puis courir, puis arrête pas de courir. Hein. Il y avait de l'eau d'abord, quelque chose de même, pour les plantes. Puis clairer, là, pour les petits qui sautaient dedans, oui, par là. Ouais. Oui. C'est-tu vous autres une fois qu'il avait été se cacher dans l'eau avec des tubes ou quelque chose? Non. Hein? Pour se cacher des Allemands? Ça, il y en a qui est installé, c'est pas pour ça, il y en a. Parce qu'il pouvait traverser, s'il y avait de l'eau quelque chose, il pouvait traverser avec ça. C'est beau qu'on avait ça. Pour pas... Puis un coup qu'il était rendu sur l'autre côté, bien, ça lui a donné une chance pour embarquer, pour rentrer dans les Allemands pour avoir une chance d'aller. C'est rare. Ouais. Il y en a un des gars qui était entraîné pour ça. Mais c'est pas tout. Vous étiez pas tout enraigné pour ces Non, affaires-là. non. Quand on était à l'entrée là, je crois que c'est là. Non, c'est quand on est rentré dans le bord de la Finlande, je crois que c'était. Il y avait une ville là, qui était aussi gros comme Camelton. Toutes les bâtisses, toute la brique, toutes les bâtisses de briques qu'il y avait là. Quand ils ont eu fini de se battre et de tirer là, ben, ils ont trouvé ça, c'est la grosse rivière qui s'appelle la Rhine. La rivière Rhine. Ben, ils ont fait un pont là, pour traverser, un pont flottant. Il faut traverser avec des gros trucks qui étaient tout traversé là. Mais demande-moi la ville, là, qu'est-ce qui était faux. Ah, il restait à peu près les bâtisses, il restait vraiment des places 4 pieds. Le reste, c'est la bâtisse. Là, tout s'est fauché. C'était tout de fait. Tout de fait. Oh, c'était terrible. Ouais, t'as pas allé, quand ça s'est fini, hein, t'as pas allé, prenez des vacances, là, maintenant. Puis on n'était pas allé à Berlin, ou à ça. Mais quand on est arrivé à une telle place, ils ont eu les ordres de ne pas rentrer là par rapport aux Américains, puis les Russiens étaient là. Puis ça ne marchait pas trop bien ensemble, les autres. Ouais. Ça fait qu'un jour, ils nous ont dit de parler là, ça fait qu'un jour, on passait par. Parce qu'il y a plein de villes, Düsseldorf, on rentrait dans notre place. Et vous dites, j'aurais voulu qu'il y ait eu le massacre qui était là. Oh. Tout est fait en haut. Pas toutes les bâtisses, mais dedans, c'était un moyen de ville, on va dire qu'il y avait beaucoup d'affaires comme des factories ou des affaires, tu sais, des affaires de même. Industriel. Ouais, industriel, des affaires, des tuyaux que ça fait gros de même, ça faisait penser des tordus dans la DS là-dedans, puis tout ça. Tu parles de même. Oh. Terrible. Mais pourquoi la guerre était finie, les Allemands, c'était pas la même. Ils étaient mieux pour les autres qu'ils étaient pour les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont été plus on va dire, il y avait une dent, une soirée, on est arrivé, il y avait une petite, c'était un moyen de petite shop, là, qui faisait des ustensiles, là, mais ça ne marchait pas là, à un moment, là, par rapport. Mais on l'avait arrêté là, couché là. Il y avait une danse, là, justement, pas loin de là, là. Il y en a une gang des autres qui ont venu chercher les gars pour aller à la danse. Aller avec les autres pour danser, là. Puis Ouais.
Oui, des soldats de l'armée allemande à part de ça, là, il y en a d'autres. Oui. Oui, puis il dit, oh, machine, là, il dit, à moyen, il prenait la place puis danser. Ah oui. Ben, il était comme poussé par. Ben, les autres, là, il n'en manquait des autres, qui, c'est, il voulait pas, c'est pas ça qu'il voulait avoir, il voulait pas avoir la guerre. Ben, non. Il était poussé par, par quoi s'il appelait le Hitler, là, ça, avec sa gang de SS, là. Oui, c'est SA aussi, les autres, ils sont. Ils sont morts avant. Oui, c'était une gang de. Ça n'a pas de bon sens, hein, ce monde-là. Ouais. Ça vient de l'autre map de régie du monde, puis ça a tué du monde pour rien. Les Juifs? Oui, ils ont tué des millions. Pas croyable. Puis, qu'est-ce que d'autre aussi? Ben, là-bas, as-tu été à Berlin? Non, on peut plus aller. Ah ben c'est à cause des Russes et ça. Ok. Pas pu aller. Ben là-bas, en Allemagne, là, ben, c'était-tu comme, il n'y a pas eu grand-chose que, de trop de, après ça, trop de problèmes après la... Non, c'était juste, on travaillait en difficulté, là, pour risquer quoi, quand les Russes allaient prendre, quelle partie qu'elle allaient prendre, puis les Américains, quelle partie qu'elle allaient prendre, puis là, c'était ça, là. C'était la décision de ça. Fait que les Russes, là, les autres, ils ont pris un parti puis ils ont bâti, là, ils ont fait un mur. Le mur de Berlin? Oui. Après ça, ils ont mis à bout, ils ont défait ça puis ils ont laissé le monde là. Mais avant ça, là, s'il y en a des autres, quand ils ont traversé, monté par-dessus le mur, là, puis ils étaient vus, ils tiraient. Ah, ben ça fait pas tellement longtemps qu'il y a des fêtes. Ça fait peut-être. Non, c'est. Ça fait juste 16 ans, ça. Oui. Parce que. Ben, c'est qu'avant, l'Allemagne était divisée en deux, t'avais l'Allemagne démocratique. Il y avait l'Allemagne. Du côté ouest, puis l'Allemagne communiste. Il y avait l'Est, puis l'Ouest. Ouais. L'Est communiste, puis l'Ouest ouais. Comme démocratique. Ben, là, quand la Russie a mis démocratique. Ouais, ça a tombé. C'est dans ce temps-là qu'ils ont été faits ça, ce mur-là, puis le monde était libre de traverser et aller ce qu'il voulait. Ouais, parce que la Russie qui est démocratique, ça fait juste depuis comme 89 ouais. Environ. Et puis, comment ça, c'était le communiste, parce que le communiste, lui, qui était en chef, mais mort, hein, mais l'autre a pris la place, puis l'autre a vu que c'était... Puis le monde, là, dans la Russie, voyait comment est-ce que le monde ici, comment est-ce que le Canada, puis les autres étaient nés, comment on s'appelait, tu sais, tu étais libre de toi-même. Ouais. Puis ce que c'est que les autres, ils ne pourraient pas, ils n'auraient pas de liberté, ils ne pourraient pas commencer le magasin, ni aucune chose de même, c'était le gouvernement qui contrôlait, là. Ouais. Dans l'année, là, quand ils ont vu, après ça, il y a des Canadiens, du monde canadien qui a été là, en Russie. Puis ils ont amené du linge, surtout comme du linge pour les femmes, là. Ouais. Puis quand ils ont vu ça, ce linge-là, c'est pas croyable. Ils sont lancés là, c'était pas comme du monde, c'était pas comme des fous. Ouais. Que sorte de linge que les femmes ici pouvaient se promener avec, puis quoi qu'ils pouvaient avoir, puis c'était eu le choix, ils pouvaient choisir. Puis les autres, ils pouvaient pas. Il fallait qu'ils allaient. Ouais. Ils ont même peur de souliers pour tant de temps, puis si qui brisait la main, c'était final. Il n'y en avait d'autres. Oui, c'est ça. Ben, pour revenir à la guerre, là-bas, là, as-tu fait des amis, puis des liens, des connexions, du monde que tu connais là-bas? Ben, non, pas beaucoup. Parce que, par contre, dans Hollande, les Hollandais, c'est l'époque qui parlait beaucoup. Il n'en rencontrait pas beaucoup qui pouvaient parler anglais. Mais. Ok. Il y a une soirée qui a été une place. On a rencontré deux filles, là, puis ils s'en allaient, ils ont dit, venez, les autres, on va me. Comme, puis le. Parce qu'ils savaient, le mère parlait anglais, puis le bonhomme parlait anglais, puis français. Mm-hmm. Après, on dit, on va aller, ouais, c'est comment était là. Ça, c'est celle qu'on a rencontrée quand ils parlaient avec. Ouais. Puis la femme pouvait parler, elle comprenait du français, mais elle ne pouvait pas parler. Mais l'homme, lui, il parlait vrai français, puis il parlait anglais aussi. Ok, ça fait. Les deux-là. Vous avez. Ça fait rentrer là, c'est dans la soirée, parce que c'est. C'est juste pour dire. Ouais. Les autres, on rencontrait, c'était tout nice monde, c'était tout bon pour les autres. Mais on ne pouvait pas. Ouais. On ne pouvait pas communiquer avec les autres, et trois quarts du temps, ils ne comprenaient pas. Nous autres, on ne comprenait pas non plus. Ouais. Puis le monde, on parle pas, ben. Ça n'a pas laissé des noms ou quelque chose, non? Non. Il n'y a pas de noms que... Ben, il y a vraiment plus... Il y
Il arrive en pleine mer, mais après que tu es là, une certaine secousse, là, ça dit plus rien. Je voulais revenir ici. Vraiment. Mais c'était juste passer, parler un peu avec le monde, mais pas vraiment se faire d'amis. Non, tu pourras pas. Ouais. Parce qu'il y en a qui. Il y en a qui ont été bien plus loin, mais. Ouais, oui. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui était le même non plus. Non, non, non. Mais ça dépendait aussi de la ville que tu étais dedans, je pense. Parce qu'il y a des villes qui étaient plus fortes que d'autres. Là, on était dans Amsterdam, puis on était en passant dans Rotterdam. Ça, c'était le capital. Amsterdam, Rotterdam. Le Hollande. Ouais. Après ça, les Allemands, quand ils arrêtent, ils poussent au bout, puis si on vire le bas, ils ont dit on donne la Hollande aux Canadiens. Alors, je vois. Puis tous les ceux qui restaient, ils ont tous poussé. Mais ça, aujourd'hui, c'était en cours. Ils perçoivent ça comme un territoire comme, pas canadien, mais ils voyaient bien à ça. Ouais. Les Canadiens sont bien vus aux Pays-Bas. Ouais. En Hollande. Je pense qu'ils avaient donné des tulipes à Ottawa aussi. Pas mal. Ils avaient donné pas mal. C'est ça que la ville d'Ottawa est reconnue par. Ouais. Mais il y avait un des autres là. La reine, il y avait un des reines de là qui était ici au Canada pour ça, la guerre ici. Ouais. Oui. Je commence à briser, à rentrer là, briser le pays. Ben. Elle a sorti, puis après, il n'y a plus d'avion, mais ça a poussé ici. Ça s'est guidé. C'était tout le temps de la guerre. Snake était là, après, tu sais quoi ça fait que la guerre a été finie, moi, après Snake. Ouais. Ben, au Canada, une couple d'années, l'année passée, je pense, au printemps, ils ont descendu un front là-bas. Là. Le militaire, là, il avait descendu avec une gang d'anciens combattants, tout ça. Puis, Oui, ils ont fait une grosse parade. ouais. Amsterdam, je pense, dans les rues, puis le monde se promenait avec des drapeaux canadiens partout dans la rue. Puis, Oui, ouais. la Hollande était supposée comme donnée aux Canadiens. Mais c'est eux qui contrôlent le pays, puis le langage, on laissait libre de faire que Dieu. Mais le Canada était connu pour être le chef. Comme après la guerre, c'est eux qui ont eu le territoire, mais le Canada les a remis libres. Oui, Ben, il n'y a pas à avoir ça. Non, non, ils voulaient pas être. Bon, ils ont donné le pays. C'est comme la France. La France, ils ont perdu le pays. L'Angleterre, puis le Canada, puis l'Amérique, ils ont donné le pays nouveau. Puis la Belgique, c'est pareil. Ils ont rendu le pays, il faut s'arranger avec. Ben ouais, c'était Ça autant fait mieux. que. Il n'a pas fondé un empire. Tu viens d'en défaire un, tu ne veux pas en faire un autre. Ben, ils sont bien vus pareil par là. Oh! Ils C'est sont bien bien. vus. C'est bien mieux, bien mieux là, comme en Hollande, bien mieux sa vie puis tout ça que dans France puis les autres. Ah. Bien oui. Puis, pour la guerre, comme je sais pas qui m'a fait, là, mais les Américains et les Canadiens, comme quels qui ont été mieux vus, là, parce que j'ai vu beaucoup de. Il y en a qui disent ben, c'est les Américains, puis d'autres Non. qui disent c'est les Canadiens. C'est les Canadiens qui étaient le meilleur partout là. Les Américains vendent beaucoup Ben, que. les Américains, c'est des maudits petits de brou et des venteux. Qu'est-ce Ils qu'ils se vantent. Ils font pareil comme les Québécois. Il n'y a personne d'autre comme les autres. Ouais. Bon. C'est ça que je trouve. Puis c'est encore la même chose aujourd'hui. Ils croient plus que n'importe qui. Puis à la fin du compte, ils sont tout le temps mordus avec quelque chose. Mais comme dans le temps de la guerre, n'avez-vous entendu parler beaucoup des Américains? Non, pas trop, parce qu'ils ont été pas proches des autres. OK. Les autres sont dans une certaine direction, puis les autres étaient dans une autre. Fait que, en plus de ça, y avait-tu pas un frère qui est mort en Europe, un de tes frères? Bien, oui. Il est mort où, lui, En comment? France. En France. Ben, lui, il était pas en même place. Hein? Non, ben lui, il avait son dans le régiment qui était, le régiment North Shore. Y a-tu fait le jour J? Ils ont fait le débarquement, là. Les autres OK, ont ben c'est rentré ça. dans la France et tout ça. Mais lui, ça fait tuer juste un mois après l'invasion de la France. Un mois après l'invasion. OK, ben il faisait une mission, puis il est mort. Il est mort comment, vraiment? D'une façon. Je sais pas vraiment. Ils ont juste dit Il n'y qu'il a pas était. tout qui savent. Ouais, qu'ils sont fait descendre par sniper ou Ben, quelque chose comme ça.
Pour moi, quand j'ai attendu, il m'a parlé d'un gars là, que j'ai rencontré en Angleterre, puis c'était un gars du Nord Shore, puis j'ai parlé avec. Puis il m'a dit, oui, je l'ai pas connu dit, vraiment comme il faut, mais il dit, je sais que tu vas me dire que c'est là. Puis il dit, c'est une bombe. Ça a donné à passer dans à peu près ce qu'ils ont été là, puis ça l'a tué. Il m'a dit, il y en avait, je crois que c'est 8 ou 10 qui d'un coup, là, qui a été tué. Mais lui, es-tu en Europe, enterré dans un cimetière là-bas? Hein? Es-tu enterré dans un Bon, cimetière là-bas? oui. C'est bon à savoir, ça, parce que si jamais qu'on va Il parler, on va toujours checker. y a un grand cimetière à Gand, je crois. Après ça, il y en a un à. Il y a un cimetière dans. Je crois, Comme on dit. coupe la place de l'immédiat. Il y a des places en Hollande, il y en a qui ont fait tuer d'autres à la maison, là, puis le monde n'a jamais voulu laisser ça qui est là-dedans. Okay. Ils sont enterrés sur le terrain, et autres, ils gardent la Des place. Canadiens? Ouais. Ah, ben, les autres, c'était symbolique pour eux. Ils gardent la place, les autres, ils gardent la place, ils ont dit non. Ils voulaient les ramasser, puis les amener dans le cimetière. Non, ils ont dit non. Ils vont rester avec les autres, puis ils restent avec Fait que c'est le seul qui est mort, de tes frères. Puis, y avait-tu pas aussi un de tes frères qui a été blessé, non? Ben, il y a chose, là, c'est son pied et sa jambe. Tu as tiré dedans? Non, mais c'est. Il m'a démarche, puis je ne sais pas ce qui est arrivé, il a sauté en moins d'une machine ou quelque chose, puis il avait comme cassé. Moi, des os dedans, ça suit depuis. Ouais. Puis quand il a été pour le docteur ou aller docteur là, puis faire soigner ça, ils ont réduit. Ils ont Ouais. dit que ça s'était dit à l'homme. Puis il a marché, puis ça a venu qui était pire, là, il ne pouvait plus. Là. Ouais. Ça fait quand il s'est amené ici, là, Ouais. il est à l'hôpital à Saint-Jean, ben, tout de suite, ils m'ont dit, c'est pas drôle, la machine, la cheville du pied était cassée, les Ouais. morceaux. Ça fait qu'il n'avait pas poussé en affaire, il était pour le. Coupe la jambe parce qu'il perdait la mesure. Il Ouais. perdait de la force, perdait de la force. Il avait vraiment dit la jambe ça fait tout le temps. Ouais. Parce qu'il a passé dessus que l'on. Il y avait ça a donné un docteur allemand. Ça a donné un petit après, une couple d'années après que la guerre était finie là-bas, lui, il s'est amené ici, au Canada. Il voulait venir au Canada absolument. Ouais. Puis il était là à l'hôpital à Saint-Jean. Il a dit aux autres docteurs, il dit non. Pas besoin du coup à jambe. Là. Il dit au moins, on va s'appelle fusée. Fait qu'il a pris, ils ont ajusté la jambe de telle manière, puis la moelle, la jambe est tout petite, c'est grosse comme un bien, par exemple. Mais ça a descendu, puis il dit, ça va pareil comme. Par exemple, tu pourrais du ciment, Ouais. tu sais. Ça fait, il dit, ça pliera plus, là. Ça va être solide. Puis là, ils ont fait faire une bottine avec une brise qui monte en haut ici. Ouais. C'est le même qui C'est fini. était estropié ce genre-là. En quelle année t'es revenu ici, toi? En 45, en 45, mois de septembre, fin de septembre. C'était fini dans ce temps-là. Ouais. Bon, oui, ça finit, c'était la fin de la guerre a fini, c'était dans le mois de mai. Ouais. Ben, nous autres, on était là, on savait bien de choses, on a su ça. On a su que c'était fini comme 2 semaines après. Parce qu'ils ne voulaient pas nous dire, parce qu'ils ont peur qu'il y avait trop de. Tu sais, le gars, en Angleterre, il y en a d'autres qui ont fait des termes de massacre. Là. Ça a commencé à fêter, même avant le mois, ouais. Pareil gang, là, New York. Oui, c'est là que ça les met. C'est pour ça, là, qu'ils n'ont pas voulu nous dire tout de suite. Ils ont entendu, puis ils ont dit, on s'en va, on part d'ici, on va à une telle place. Parce qu'à quoi? Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'Allemands, les Allemands sont sortis, puis c'est ci, puis c'est ça. Après, du compte, là, on sait ce que ça voulait dire. On dit, c'est fini, on dit, ah oui, fini au mois de mois. Puis généralement, c'était comment? La guerre. C'était Hein? comment tu vois ça? Comment tu as vu ça, la guerre là-bas? Oh, ben, c'est mal de dire. C'est pas de quoi, c'est pas trop beau. C'est pas de quoi être beau à voir. Mais nerveux tout le temps. Tout ça, c'est nerveux d'une façon. Ben, oui, par rapport, c'est tout le temps en guette, tu sais, c'est pas à minute que tu vas rencontrer, que tu vas voir, tu Ouais. Puis, qu'est-ce qui était comme la plus grande difficulté?
Hein? Qu'est-ce que t'es comme le plus dur? Oh, ben c'est moi des dire, toutes sortes d'affaires. Ça n'a pas vraiment de particulier. Puis, le 11 novembre, comment tu vois ça, toi, le 11 novembre, le jour de l'armistice? Je vois ça, moi, c'est bien beau. Puis, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Longtemps que ça aurait dû être ça, une journée fêtée. Comme qu'est-ce que tu vois à la télévision, là, sur, je ne sais pas si tu regardes ça, là. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont à Ottawa, puis ils se promènent, puis ça chante, puis il y a une gang qui se promène dans les Il rues. faudrait que, ben, cette année, ils l'ont fait. Les magasins ont tout fermé. Mais sais-tu, c'est quoi, là? C'est ça, ça fait longtemps, il n'en a qu'à parler. Il voyait pas pour quelle raison que c'était pas fait avant. Je faisais pas ça avant. Il donnait 2 minutes, t'arrêtais pour 2 minutes. Ouais, c'est pas l'histoire de 2 minutes, il a dit, c'est une fête. Les deux guerres sont sur la même date. Ben, la première, connaissais-tu du monde qui était la première? Ben, il y avait deux de mes cousins qui étaient là. Dans la première guerre. OK. Je les connais même parce qu'ils venaient ici de temps en temps. Les autres, en tout, ah oh oui, il y avait ici, toujours Batelot. Lui, il avait été dans la guerre là. Lui, j'ai connu lui. Après ça, c'était du monde que je connais pas mal d'années. À part ça, les autres, je savais qu'il y en avait d'autres en tout, mais je ne les connaissais pas trop. Mais c'était pas mal ça. Hein? C'était pas mal ça. Oui. Puis, qu'est-ce que tu penses des guerres aujourd'hui, comme l'Afghanistan, l'Irak, puis ces choses-là, comme les Ça, Américains? moi, je calcule que ce monde, les Américains, là, pour commencer, ils n'ont pas dû aller après l'Irak de même, pas en tout, en tout, en tout, en tout. Ils auraient dû mettre des lois sévères, puis ils auraient été attachés, pris, ils auraient été obligés de se joindre afin de venir à eux autres. Mais ils ont été fourrés à faire la guerre, puis ça. L'Arthur, c'est quoi ce qui se passe? Ils ont fait tuer du monde, puis des enfants, puis tout, du monde qui est absolument pas d'affaire à ça, pas en tout, ils sont ignorants de l'affaire, pour quelle raison? Puis tous des gars qui sont envoyés par un tel diable, là, puis en fait part dans quel coin. Là. Comme Bush. Non, machine, comment ça s'appelle? Ben Laden, là. Ouais. Puis après ça, il y en a un autre, là. Il y en a deux. C'est la Michelle? Non, en bas là, dans les vieux pays, après part, les cartes OK. Ah, ben l'autre, je ne m'en rappelle plus. Il y en a quelque part dans quel pays, puis c'est lui qui fait faire qui fait ces deux-là, il fait faire des troubles. Là. Il envoie du monde des ignorants, se faire sauter avec des ouais. Faire sauter du monde, puis faire sauter d'autres mondes qui est ignorant de l'affaire. Comme le 11 septembre, maintenant. Quand je suis arrivé dans ma vie, en fait, ils ont fait dans les machines, là, qui a tué, comment le monde savait tuer le 11. Ouais. Il en manque ces gars-là qui avaient les avions qu'on avait été entraînés. Ils ont été entraînés par ici. À part de ça, il y en avait deux ou trois des autres qui avaient pris le cours de vol ici, au Canada. Au Canada. Oui, puis ils avaient été là-bas. Il y en a deux et neuf qui étaient cours de vol d'Amérique. Ouais, puis la guerre en Irak, ce que Bush fait là. Attaquer l'Irak. Non, moi, quand ils ont commencé à dire ça, moi, j'ai dit, c'est il fait un terrible coup, un méchant coup, là, il fait un méchant coup. Qu'est-ce qu'il doit faire, c'est mettre des lois contre lui à 6 sévères. Mais qu'est-ce que Bush était en fait, c'est à cause que lui, là, c'est ouais. Dan Hussein, il faisait tuer du monde pour rien. Ouais. Pour rien. Il n'a fait tuer, je ne sais pas comment, le monde. Ouais. Ceux qui calculaient qu'ils étaient trop pauvres, qu'il y avait trop de gens pour arriver, ils envoyaient ça là, puis ils faisaient plus. Puis tous les aidés, ils emportaient l'argent, ils charriaient, mais ils donnaient rien à l'autre pour les aider. Ouais. Mais ils faisaient plus, puis ils ont fait rien. OK. Ça fait que. Il y a beaucoup de ces pays-là qui ne savent pas dans rien, ça c'est dans rien. Ils mènent le pays correct, dans leur manière.
dans la manière de l'autre monde, c'est pas la vraie manière pour que ça se fait. Comme les réactions, là. Oui. Mais la plupart dans ces pays-là, c'est que le gros problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont comme exploités, là, comme des riches, qui vendent tout ce qu'ils veulent aux plus pauvres, puis ils font sûr qu'ils restent pauvres tout le temps. Ah ben, oui, ils disent, va faire ça, puis les autres, ça n'a pas de différence, ouais. Ils font. Oh oui, c'est par là ici que ça a commencé au Canada, là. Les chasseurs. Là. Il y avait une compagnie là, à... Ouais, ça marche encore. Là. À Belle-Duton. Oui. Il y avait une grosse compagnie là. Mm-hmm. Les gars qui sont venus ensemble, qui ont formé une manière de compagnie. C'est Dieu. Tous les chasseurs là, ouais. Qui arrivaient là, là. Ben, il a donné à peu près... À peu près 50$ pour la valeur de 700-800$, 500-600$ de pelleterie qu'ils ont avec. Ouais. Les autres, ils vendent ça dans les deux pays à plein montant. Moi, dans le temps, ces gars-là, dans le temps, ils étaient riches. Ouais. Du coup, ce qu'ils faisaient, ils embarquaient sur les pauvres. Les pauvres qui allaient chasser, puis ces affaires-là, c'est eux autres qui se faisaient amarrer. Ouais. Bon, ben, puis les autres, ça, ils s'enrichissaient. C'est mince. Puis la bénédiction, ça marche encore. Le nom est encore là, ça marche, mais c'est pas la même compagnie qui est là. C'est différent. C'est Zaleuse est là, la bénédiction. Ouais. Ouais. Mais je sais pas qui c'est qui. Je sais pas si les autres qui ont vraiment la machine, la place, ou. Je pourrais pas dire. Mais ils font ça, mais ils font pas la même chose qu'ils faisaient. Non, ils peuvent plus faire ça. Non, ben non, aujourd'hui ça marche plus. Puis les chasseurs restent les autres. Moi, je dis, mes gars, ils sont au courant de ça, pas comme avant. Ouais. Avant, ils ne sont pas au courant de rien. Mais eux, ils sont les ceux qui font la chasse à tout, ils savent que ça vaut, des certaines affaires et tout. Ça fait qu'ils ne se laissent pas prendre. Oui. Ben, c'est autre chose à rajouter pour la guerre? Non, pas grand-chose. C'est pas mal tout. C'est pas mal de quoi. Il y a des affaires de passer que. Si tu viens que tu oublies tout ça. Là. Ok, ça marche. Sorte d'affaires, là. Ouais. Dans l'idée de d'autres choses. Puis, tu peux pas te tenir ça dans l'idée, puis avoir l'idée sur d'autres affaires que tu as besoin. Parce que ça, c'est pas passé. Ouais. Ça fait que ça t'a. Ben, ça t'a pris quelques affaires, mais pas tout. Ça ne donne plus rien, ça. Ben, c'est ça. Merci. C'est une bonne affaire. Ouais.